Le magazine France Dimanche rappelle qu'en avril 2020, Sheila a traversé une véritable épreuve cauchemardesque lorsqu'elle a été victime d'une agression à son domicile, perpétrée par trois individus sans scrupules. Cet incident tragique s'est produit alors qu'elle était confinée à son domicile en raison de la pandémie de COVID-19. Dans une déclaration récente, Sheila a partagé les détails de l'horreur qu'elle a vécue lors de cette expérience, exprimant les profondes craintes pour sa vie qui l'ont accompagnée. Elle a relaté la scène en ces termes. « J'étais chez moi, j'ai été agressée par trois individus aux allures de véritables criminels, arborant des masques et armés de barres de fer. » Elle a poursuivi en déclarant « Ils ont violemment forcé ma porte, m'ont jetée au sol et m'ont infligé des blessures à la main. Bref, j'ai enduré l'ensemble de ces atrocités. » Les agresseurs semblaient fermement persuadés qu'ils mettraient la main sur un butin de grande valeur au sein de la résidence de la chanteuse, mais ils ont finalement redoublé de violence en vain. Sheila a expliqué « Ils n'ont pas trouvé les bijoux ni l'argent qu'ils espéraient. Il n'y avait absolument rien, comme on peut s'en douter. » Par un heureux hasard, un voisin vigilant est intervenu et s'est comporté tel un authentique chevalier servant pour porter secours à Sheila. Elle a exprimé sa profonde gratitude à son égard en ces termes « Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir un voisin qui a entendu mes cris et qui est venu à mon secours, sauvant ainsi ma vie. » Il est à noter que l'agression avait été révélée par le magazine France Dimanche avant que la chanteuse ne décide d'en parler publiquement.